Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec le boss et la boss. Salam, salam, j'espère aussi que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez particulière. Vous savez que quand on est dans la voiture, c'est forcément qu'il y aura des gros défis. Aïe, aïe, aïe. Dans chaque magasin, on aura un défi chacun. C'est parti. Non, c'est pas parti. Ma carte bleue, je l'ai. Est-ce que t'as ramené ta carte bleue? Ouais. C'est carré dans l'axe. Là, c'est parti. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas ramené d'argent, du coup, je vais le dépouiller. Eh, les amis, je suis pas prêt pour le froid là, c'est un truc de fou. Moi, je suis tétanisé, regarde mes pieds, c'est des congélos. Eh, ça se voit que je suis un vrai DZ parce que je supporte pas le froid, mais je kiffe le chaud. Toi, t'es pas une vraie DZ, toi. Bien sûr que si. Les gars, regardez juste ces gars, ils sont pas grands. Yacine, viens me checker. Je check, mais arrête de croire, je vais pas te faire de cadeau dans la vidéo. Quoi? Elle a dit, tes gants, ils sont bad moche. Mais je m'en fous, au moins, ils portent chaud. Elle a mis des gants, ils... regarde, ces gants, ils servent à rien, mais c'est maintenant. Au moins, c'est tactile. Les amis, je commence à lancer le défi. Myriam et Yacine vont devoir rentrer dans un magasin où c'est des promotions. Vous avez le droit de prendre tout le magasin si vous voulez. Seulement un des deux pourra gagner, celui qui a les meilleures promotions, les meilleurs soldes. Je valide son panier, je lui achète. Okay, le but c'est que Yacine a moins 50%. Le but c'est d'avoir moins 50%, moins 60%, en gros d'avoir le meilleur panier possible. Prenez basket, okay. Tout ce que vous voulez, faites-vous plaisir. On a temps illimité. Vous avez temps illimité pour l'instant. Vas-y, pas de problème. S'il vous plaît, venez, on rentre vite dans le magasin, il fait trop froid, j'ai envie du chauffage là. Moi aussi, clairement, là on va rentrer. Je me démarque des autres. Eh, regardez tous les soldes, c'est une dinguerie, moins 50%, moins 30%. Eh, mais attends, mais pourquoi y a pas de logo là? Ah, si, il est. Regarde, Younes. Il est bizarre ce truc là. Vas-y, prends le maillot, prends le maillot. Haaland, Haaland. Il est claqué, maintenant. Hey, 84 €. Mais il est incroyable, tu nous parles de quoi? En vrai, moins 50%, c'est-à-dire que tu divises par 2. Donc 84 divisé par 2, ça fait à peu près. Non, oh, non, on n'est pas en maths. Hey, mais 30, tu prends pas. Non, wesh, comment ça, c'est pas en promotion ça? Oh, celui-là, c'est intéressant. Mais c'est même 30% pas ta de 64 €. C'est même pas ta taille. Ouais, ça part. Pour les articles. C'est pas sa taille. Ça coûte 50 €, ça n'existe pas, ça, normalement, ça peut pas coûter 50 €. Tu le trouves comment, lui, Myriam? Bah, il est pas en solde, du coup. Ouais, c'est vrai. Moins 40% sur celui-là. Il a combien celui-là? Ah, regardez, moins 30% sur Liverpool. Non, moi je prends lui. Parce que regardez, moins 40% et en plus ça va avec le bas que j'ai pris. Du coup, ça fait un ensemble. Elle est belle. Ah, mais en vrai, ça me va pas. Regarde, ça fait une gilet là-bas. 74 €. Non, ça va aller. Hein. Oh, le maillot du Maroc. Dites-moi, il a combien celui-là? 89 €. On change de rayon. Allez. Attends, ici, il y a des moins 50% et tout. Il n'y a pas l'Algérie, Predator, incroyable. Elles sont à combien celle-là? Eh, si, à ma taille, je les prends. Devine le prix. Myriam, devine le prix. De celle-là. 30. 150 €. Tu moi la famille, moi je vais rester sur mon ensemble. Je pense que c'est pas mal. Il y a un haut, attends, un bas. Attends. Les autres, Smarley, c'est 150 €. Les gars, il y a des réductions, mais ça revient trop cher à chaque fois. Du coup, je pense que je vais perdre. Donc autant que je choisis un ensemble qui est carré et on va voir Myriam. Ok, venez avec moi. Il y a des soldes partout. Waouh, c'est grave bénéfique. Pourquoi il y a plus de soldes pour les enfants que pour les grands? Ça se fait pas. Alors, pour l'instant, les gars, ils s'en sortent pas trop mal. Je trouve que Myriam est en tête pour l'instant. Parce arrête, elle a pris des meilleurs trucs. Toi, t'es corrompu, toi. Non, toi, en fait, tu prends des bons trucs, mais en mode les soldes, ils sont pas terribles. C'est-à-dire là, ressaisis-toi. Hein. Yacine, viens, on fait un investissement au basket si je te bats. Ouais, on servirait du magasin comme ça, l'intelligente celle-là. Oh, yes. Je vais péter un câble, je te promets que je vais péter un câble. Moins 40%, mais ça à 100 €. On a la brocante. Vas-y, elle a trop de choses, ça connaît des trucs de ouf, frère. Oh, en plus, c'est ma taille celle-là. Yacine, ça fait combien? Attends, 79 moins 40. 45 €, je pense. C'est bénef. C'est garçon, ça. Hein. Non, forcément. Mais je t'écoute pas, toi, tu veux que me nuire. Mais moi, avec mon vieux survêt d'Arsenal, là, j'ai perdu en fait. Par contre, toi, tu veux plus t'arrêter d'être Younes, t'es Cristiano Ronaldo ou quoi? C'est quoi le rapport? Tu crois qu'il va payer en faisant du foot? Mais c'est grave cher. Voici mon panier. Alors, déjà, on commence par des chaussures. Je vais juger, c'est moi qui vais regarder les prix, commence pas à tricher, ok? Elle a pris une paire de baskets. Elles sont belles. Ça, c'est pour faire quoi ça? Pour faire du sport. Du sport, ok. Elles sont belles ou pas? Ouais, à 50 €. Ils sont où les soldes? Y'a pas de soldes sur celle-là? Si. Non, arrête de parler chinois, y'a pas de soldes. Non. Aïe, mais j'étais obligé pour l'école. Ok, elle a pris un survêtre moins 40%. Le prix est de, attention, 75 € moins 40%, ça fait à peu près 45-50 €. Celui-là, c'est la même. Le pull North Face qu'on a vu tout à l'heure. Elle a un bas Puma à moins 50%. Ça, c'est bien joué. Haut de Marseille à moins 40%. En fait, c'est pas mal, t'as pris des grosses promotions. Je voulais prendre déjà le haut de Marseille et le bas de Paris, comme ça je suis pour les deux. Paris et Marseille, tu peux pas être pour les deux, c'est soit Paris, soit Marseille. Gagné de Yacine. Alors lui, c'est Qatar. Yacine. Moi, j'ai pu prendre qu'un survêt parce qu'en fait, c'était vraiment cher les trucs de foot. Moins 40% et ça, moins 30%. On prit que deux articles. Oui. 80 € ça. Il y a marqué quoi ici? Il y a marqué Nike. 65 €, mais c'est les pires soldes que. Là, tu veux plus rien rajouter. Bah non. Eh, c'est bon, t'as perdu, désolé, t'as perdu. Myriam, tu gagnes la main, tout ton panier, je te lâchais. Merci. Moi je vous dis la vérité, les trucs de foot ça coûtait tous grave cher. Déjà je prenais 4 ou 5 articles, ça me revenait à 1 000 €. Ou ça je prenais que ça, pour je me suis dit ça va faire parce qu'il y a deux bons soldes. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Les gars, j'étais pour la victoire, j'avais acheté ça. Wow. T'as payé combien? C'est du chocolat. Elle a payé combien? Vas-y, dis, t'as payé combien? Dis, tu sais pas? Tu sais pas? Tu sais pas? À l'intérieur, on dirait les. Elle m'ignore, je rêve, ouais, m'ignore. T'as payé combien?
J'entends un perdreau dans mon oreille. Tu vois, elle sait pas parce que c'est même pas elle qui paye. Elle a payé. Incroyable. Elle a payé. Et je vous dis pas, devinez dans les commentaires, elle a payé quoi pour tout ce qu'elle a acheté là. On va voir si c'est chaud. Myriam, j'ai trop faim. Ok, Myriam, je vais te proposer quelque chose. Dis-toi, je vais te poser 5 questions. Une bonne réponse te vaudra 10 secondes dans le magasin. Si tu réussis toutes les bonnes réponses, t'as 50 secondes pour acheter tout ce que tu veux. Ok, c'est parti, je suis chaud. Ouais. J'espère que t'es pas bête, hein. Si t'es une imbécile, tu vas rien manger, tu vas manger des cailloux. Quelle est la capitale de la Tunisie? Tunis. Ok, 10 secondes pour toi dans le magasin. Deuxième question. Cite-moi un métier en M et un métier en B. Il y a moniteur de conduite. Ok, et en B? B, il y a boulanger. Ok, on va à la boulangerie. Ça fait 20 secondes. Troisième question. 3 x 6. 24. Non, attends. 18. Hey, c'est la dernière fois que tu dis 24. Hein. Ok, 30 secondes, plus que deux questions. Cite-moi trois équipes en Ligue des Champions. Paris. Ok. L'Algérie. Non, attends, j'arrête. Je rigole. Le Real. El Hilal. Et non, malheureusement, ça te fait 30 secondes. Une dernière question, Myriam, pour avoir les 40 secondes. En vrai, dans 40 secondes dans le magasin, c'est incroyable. Hein. Ok, Yacine, je te laisse la dernière question. Cite-moi quatre prophètes. Le prophète Mohamed, le prophète Younous et le prophète Moussa. Et un dernier? Et le prophète... Attends, comment il s'appelle déjà? Attends, Ibrahim. Okay. Ça fait 40 secondes dans le magasin. Incroyable. Donc c'est parti, go. Ok, elle va au rayon froid, c'est l'hiver, j'ai pas compris, j'ai pas capté. Ok, c'est quoi que t'as pris? Des macarons. C'est incroyable. Ok, pose. Prends des nouilles. Prends ça au curry pour crever. J'ai pris cela, c'est quoi ça? C'est une nouilles picotes au Chili. C'est incroyable. Mais c'est bizarre ça, non? Ok, on change de rayon vite. Oh là là. Prends des Kinder. Oh là là, t'es mayonnaise, c'est Kinder qu'il y a. Prends des Kinder. Comment ça, toi, arrête de la conseiller dans le mal, frère. Elle va avoir des caries. Non, attends, j'en prends un thème. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Mais on n'a pas le droit d'en prendre que un, mais ça va pas ou quoi? Il faut un cheat code de ouf. Vous êtes sûr qu'on a le droit de faire ça? Bah ouais, on a le droit, on fait ce qu'on veut, on est les clients et les rois. De temps il tourne. Prends pas au port. Non, c'est des mawam. En plus, on a plein dedans, du coup, c'est bénéfique. C'est quoi ça, des mawam? Tu connais pas les mawam? C'est quoi des mawam? T'en tournes. Prends la meilleure boisson au monde. C'est quoi la meilleure boisson au monde? C'est la SU version sous-marc, regardez. T'es glacé pêche. J'ai jamais testé ça, ça a l'air incroyable. 9, 8. Mais 7, pas box. Box. 6, incroyable, c'est 5, c'est aux épinards. 4, t'as pris aux épinards. 2, comme ça au fromage. Franchement, moi je dis pour un goûter, c'est incroyable. En plus, on peut même faire le goûter du soir. Les gars, j'ai essayé une asperge parce que c'est le professionnel. C'est ça son problème. Elle a acheté des sushis et en 1845, on mangeait des sushis plus des pâtes. C'est-à-dire, les pâtes, je vais pas les faire. Des sushis, c'est des nouilles. Oh là là, je suis fatigué. Les magasins, il y avait trop de monde, ça m'a stressé. Ça, je les fais pas. Hein. Ça, c'est mort, je les fais pas. Déjà, je trouve encore en placard. Ouais, mais ça, je les fais pas. Tu vas pas les manger, ça va encore aller à la poubelle. On attend pour demain, Inch'Allah. Okay. Je fais les sushis, les gars, et on va passer à la dégustation. Les sushis! Oh, bon, là, je fais pas extra en plus, c'est une dinguerie. Le cuistot Younes a réussi à lui faire un petit repas, les gars. Les nouilles sont bien cuites. Par contre, j'avais attendu la caméra pour lui dire: est-ce que tu veux qu'on mette la sauce dragon ou on la met pas? On la met. Oh là, mais t'es malade. Ok, un ciseau. Les gars, je l'ai pas forcé, vous êtes témoins. On va mettre la sauce dragon. Mais pourquoi t'as choisi ça? T'as pas choisi le truc ST, vous savez pourquoi? Parce qu'on a jamais goûté la sous-marque. C'est comme les chips, on n'a jamais goûté le chip barbecue sous-marque. Ah, mais ça, c'est dans la vidéo Rousse Véjo. Comment tu peux aimer le piquant? Moi, je déteste le piquant. Genre, écoutez, j'ai un palais, ils sent pas le piquant. Quand on mange, c'est un plaisir. C'est pas, t'es là, tu. T'as mal, t'es piquant. Non, les gars, non. On s'est fait arnaquer, c'est de la pêche. On s'est fait arnaquer, c'est de la ST. Ah, c'est de la ST? C'est pas arnaqué, c'est de l'ASTI. Et c'est beaucoup moins cher, les gars, cheat code, achetez-le. N'achetez plus d'ASTI, achetez ça, c'est beaucoup moins cher et c'est pareil. Ah oui, pour ça, on s'est fait arnaquer. En fait, vous pouvez prendre un Kinder tout seul. Gros. C'est pas un cheat code. À la caisse, elle m'a compté comme si j'en avais pris 3, alors que j'en ai pris que 1. C'est une dinguerie de faire ça, ce que t'as fait. C'est la dernière fois que tu fais ça. Hein. Ça pique. Oh, c'est un par un. Wahed, ils sont dans le bus. Y a Thiago, Carlos, Martine, Isabelle, Younes, Yacine. T'aurais tapé le blanc? Ouais, ça la vanille, ça se voit. Vanille, chocolat, fraise. Ouah, citron. Là, c'est quoi là? Citron. Caramel. Citron, caramel. Et celui-là, chocolat aussi. Ça doit être le meilleur vanille. Tu vas attaquer le vanille. Vanille. Ça a le goût de quoi les macarons? J'ai jamais goûté de ma vie. On veut une description détaillée pour que Yacine puisse goûter, vous plaît. Parce que pour l'instant, elle peut pas manger. Donc il faut que tu donnes une bonne description. Ça a le goût, tu vois le haut du Kinder Bueno? Ouais. Ça a ce goût fondu avec du Kinder. Arrête toi! Non mais s'il te plaît, vraiment laisse-moi faire mon fantasme. Merci. Non! Mais si t'aimes bien les soldes, on va à la Nike, tu vas t'acheter tout ce que tu veux à moins 80%. Ah, genre, faut que je trouve un article à moins 80%. 80%! C'est-à-dire, si c'est à 100 euros, ça revient à 20 euros. Ah, en vrai, ouais. Bénéf! Paire de crampons, j'en ai grave besoin parce que moi, à chaque fois ici, mais là. Mais c'est pas moins 80%! Mais laisse-moi regarder, déjà, elle est super belle. Il est où le prix? 94 euros, il n'y a pas de solde apparemment.
Ah, je suis dégoûté. En plus, il y a des vrais paires ici. Au niveau des paires de baskets, celle-là, elle est incroyable. Dites-moi qu'il y a une réduction. 104 euros. Mais les gars, pourquoi ils soldent pas ça? Je suis dégoûté. On va aller dans les habits, on aurait peut-être plus de chance dans les habits. Oh, frère de doudoune, tu l'as acheté quand? Ah, c'est moi, je t'ai recopié, alors excuse-moi. Excuse-moi, désolé. On commence par moins 30% ici, ça commence bien. Il y a des beaux... C'est-à-dire, celui-là, s'il vous plaît, laissez-moi le prendre. Non, s'il vous plaît, non, Myriam. Non. Il est vraiment trop beau. En plus, il est à 54. Le max, c'est moins 50. Hein. Mais pourquoi vous me lancez un défi comme ça si c'est moins 50 le max? En fait, vous voulez rien m'acheter, c'est ça? Logique. Ça aussi, c'est en moins 30. En vrai, vous auriez dû me faire moins 40. Du coup, tu peux annuler le défi, hein, si tu veux. Non, j'annule pas. Moi, tu me connais pas, j'abandonne jamais. On a du moins 50. Non, mais c'est pour les filles. En vrai, je pense que votre défi, il est impossible à faire. Moi, je trouve rien, les gars, désolé. Les amis, défi raté, je suis sorti vite du magasin parce qu'en fait, le vigile, il faisait que de nous suivre et j'aime pas quand ils font que de nous suivre. Oh, il y a encore quelqu'un qui a ma veste. Mais décidément, tout le monde a cette veste, les gars. Et si vous n'avez pas encore cette veste, achetez-la. Elle est incroyable. Mais vas-y, je vais me réconcilier à la boulangerie. Alors, Yuri, tu vas pas à la boulangerie? En fait, les gars, je vais pas vous mentir. Je voulais aller à la boulangerie, mais il y a 50 humains à la boulangerie. Il y a une queue de 50 personnes. On va pas à la boulangerie, Myriam, ça, et j'en ai marre. J'ai envie de rentrer, ça. Regardez, le nez de Yacine, il est tout rouge. Bah, c'est normal. C'est bon, je vais mettre le chauffage, calmez-vous. Dépêche-toi! Ah, mais les gars, le froid, c'est mieux que l'été. Mais Myriam, je vais le mettre, c'est bon, calmez-vous. Trop froid! Oui. Regardez au moins, est-ce que vous transpirez en bas des bras? On s'en fiche! Mais mets le chauffage, au lieu de débarrasser. Arrête de crier dans les oreilles! C'est bon! Ceux qui disent que l'hiver, c'est mieux que l'été, je vous comprends pas. Il fait moins 5 degrés, regardez les nez, comment ils sont rouges. On peut même pas sortir dehors. Et en plus, le pire, c'est qu'on est obligé de mettre des gants aussi moches que ça. Là. Il met même pas le chauffage. En plus, regardez, il attend quoi, lui? Je fais des économies. Papa, il a dit faire des économies. Je fais des économies. Mais alors, tu préfères geler ou alors faites le chauffage? Les amis, c'est passé quelque chose de grave. Il faut que je vous en parle pour pas faire le mytho. Dès qu'on est allé à la caisse avec tous les habits de Myriam, vu que Myriam avait gagné, j'ai sorti ma carte bleue. Je mets ma carte bleue dans la machine et ça fait quoi? Carte bleue refusée. Je me dis, attends, c'est un bug. Monsieur, je peux faire une deuxième fois? Je mets carte bleue refusée, les crayons. Ma carte bleue ne fonctionne plus. Et Yacine a bien voulu payer à côté, donc je voulais déjà m'excuser auprès de Yacine et remercier Yacine. Mais frère, je sais pas ce qu'elle a ma carte bleue, mais en tout cas, elle passe pas. Faut arrêter ici le défi. Arrête, viens, on continue. Mais frérot, ta carte bleue, elle a été refusée. Mais on prend la tienne. Oui, bah oui, ça c'est hors de question. On va arrêter là le défi, là, les gars. Si vous voulez voir un épisode 2, le temps que sa carte elle soit plus refusée, mettez un like, bombardez les likes et des commentaires. Dans l'épisode 2, peut-être que j'aurai une carte. Mais il faut que tu travailles du coup pour ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Va nettoyer la brocante.